This is Sparta! Hey, je suis Jason, on se retrouve pour la suite de mon Odyssée. Hell yeah, man! Fait que, y a quelque chose que j'ai appris qui va être très utile. La dernière fois que j'ai fait une guerre puis que j'ai perdu, à cause qu'il y avait un esti de gros boss qui venait me faire chier, là, puis j'étais pas capable de me concentrer sur la guerre. En fait, c'est que c'est les mercenaires, quand j'ai une prime, ben ils peuvent venir à la guerre, puis là ils me traquent, puis ils veulent juste me tuer. Fait qu'ils sont même pas pour Sparte ou pour Athènes, c'est encore lisse, ils vont juste vouloir te péter. Puis c'est ça qui fait en sorte que la guerre était vraiment compliquée la dernière fois. Fait que avant d'aller faire une guerre, il faudrait que je tue toutes mes primes. Donc c'est bon à savoir dans le fond. Fait que comme ça, je vais pouvoir être plus facile. Un peu comme même cette guerre-là, il y en avait eu un aussi qui était venu me chercher. Fait que ça et tout, ça l'a comme retardé un peu mon truc de guerre, mais. Fait que alright man, fait que ça c'est cool. Fait que je vais pouvoir le savoir pour les prochaines fois. Puis avoir plus de chance la prochaine fois aussi. Ok. Il y a une grotte en dessous de ça, là. Où ça? C'est une grotte? Holy shit, man. Ça joue rien. Aïe aïe. Holy shit, man. Malade. Je peux monter à la surface ici. On va aller explorer cette petite grotte-là avant de repartir à Focus. Je vais devoir faire très attention par ici. Ok, il n'y a plus rien d'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait des... Oh! Ah, mais j'ai déjà été! Ah, même pas. Je vais t'écraser. Ça vaut pas mal. Come on, man, come on. Là, j'aimerais ça me ramasser pas mal de fer pis tout, pis vu que c'est plus compliqué. J'aimerais vraiment ça augmenter mes attaques au corps à corps, man. Parce que je trouve que je fais pas perdre assez de vie à personne, esti. Faudrait que j'augmente mon épée, puis je l'augmente, puis que je l'augmente. Mais ça sert pas vraiment à grand chose, parce que quand je l'augmente, quand je suis au niveau, il augmente gros, mais quand je le suis pas, il augmente pas beaucoup. Ben, malgré que ça augmente quand même assez vite, moi, ouais. Je perds rien. Ah, ben non. La grotte ressemblait à une grotte que j'avais déjà visitée. Le dernier épisode, je crois. Athénien, ça sert à rien, j'en ai déjà une nasty bonne site que j'ai. Mais vu que je prends pour Athènes, j'aimerais ça me trouver une armure avec les couleurs d'Athènes, ce serait pas cool. Il n'y a pas de façon hein, que je repasse ailleurs, non, faut que je remette, faut que j'aille dans l'eau encore. Ah, cool. C'est vraiment cool, mon gars, qu'ils te mettent du fer et tout, que tu peux enfin en trouver de même, sans tout le temps faire des essais d'affaires navales et tout. Je sais que dans Origins, il fallait toujours que tu aies pété à la gueule du monde et tout, puis pendant que tu te promenais, tu te trouvais jamais de fer. C'est tout le temps, genre, quand que ça donnait, là. Waouh, ouais, check ça, hein. Waouh, c'est pas tant beau. C'était plus cool quand j'étais comme tantôt. Avec une épave, ça serait rare, ça ferait une belle photo avec une épave. Ok, bon, là, je reprends mon navire. Là, je l'ai upgradé tout un peu. Je sais pas comment on fait pour gagner des apparences et des voiles avec notre navire. Ça serait cool, donc là, j'ai hâte. Ah, là-bas, je pourrais peut-être pogner des tablettes anciennes. Boum.
Pourquoi il m'a vu, lui? J'étais en train de faire mon assassin. Il est fucking à l'autre bout. C'est un trou de cul, man. Non, bon, ok. Ça va être like. Faut que j'aime me battre. Bon, oh, ouais, venez-vous-en. Vous allez le regretter. C'est hâte qu'il nous donne un signe enfin quand le monde il nous attaque avec le flèche. Regarde, comme là je peux esquiver le flèche. Et voilà. Oh merde, il y a du poison. C'est où? C'est le top qui? Je vais te massacrer. Yo, l'autre. Ah, fuck. C'est trop rapide. Je tiens. Toi, tu me fais chier. Oh. Tu me fais chier avec tes flèches. Crise de flèche de poison. Puis il manque un trésor. Mais où est ce petit trésor? Non, c'est pas lui. Ah ah, il est là. Ah, il est tout petit. Je cherche un gros coffre, moi. Et voilà. Bon. Là, ici, John est fini. Là, toutes les quêtes sont faites. J'ai visité mon tombeau. J'ai pété Sparte. Il est temps de m'en aller. Il y a le forgeron. Hein. Ah. Forgeron Sparte. Que puis-je te proposer? Améliorer. Je voudrais que tu améliores mon arme, puis je peux pas l'améliorer. Ah, bah, je l'ai déjà amélioré au niveau 14 pour ça. Je sais même pas c'est laquelle que je porte. D'habitude, ils te le disent, mais regarde, les autres ne me le disent même pas quel que je porte. À moins que je peux pas l'améliorer. Ces bottes-là, je les trouve quand même assez cool. 128. Putain. Ça me donne un petit peu de protection. Ah, je vais vendre mes trucs. Je vois que tu as bon goût. Vendre. Ah, faudrait que je grave des affaires et tout. Ça serait pas pire. Ok. Vendre, je pourrais vendre ça. Hey. Et voilà. Je vais te vendre ça. Ah, je peux pas te vendre, non, fuck off. Je vais te graver des trucs. Sur mon épée. Ah oui. Plus 4% de dégâts de feu, esti. Je fais déjà du feu. Je l'ai dessus. 20, plus 20% de dégâts avec aptitude coup de pied spartiate. 8% de dégâts sur les soldats athéniens. Oh non! Ça fait chier ça! C'est une épée que j'aime, esti! Elle est fucking cool cette épée-là, puis elle fait 8% sur des gardes athéniens. Ah! Oh, attends une petite minute. Bon, ok, désolé, mon chien a jappé. Ok, là ça serait cool de trouver. Je peux pas choisir, admettons là, des coups critiques sur les dégâts sur les soldats spartiates. Ça m'aiderait, là, regarde, plus 8% sur les dégâts atteignés. Sur les soldats atteignés, ça fait chier. Ah. Peut-être sur les animaux. Attends, wow, ça a changé, là, ma gravure, elle a changé. J'ai juste le droit à une gravure. Ok, bon, des dégâts de feu.
Je prends les dégâts de feu. Puis je vais l'augmenter. Je peux pas l'augmenter, c'est tout. C'est juste ça, mes graveurs. Je peux pas l'augmenter. Ah, fais chier. Je pensais que je pouvais faire plus d'affaires que ça avec les graveurs, pour vrai. 248, 260, niveau 15. Aucune idée. Bon, resti, je peux essayer de graver celui-là ici. Ça me donne quoi, exemple, des gravures sur mes armures? Ça pourrait peut-être m'aider. J'aimerais ça me trouver une armure, parce que je change beaucoup d'armure assez souvent. J'aimerais ça me trouver une armure que je pourrais, dans le fond... Ah, des gars de poison. Je n'en fais même pas de gars de poison. Que j'aimerais ça, genre, dans le fond, avoir une armure que je sais que je vais garder. Et là, je vais pouvoir l'upgrader vraiment comme il faut. Résistance au corps à corps. Plus 200... plus 2% de santé. Tir à la tête, plus 5%. Ok, non... D'ignorer moitié des dégâts. Ah, c'est pas hosti, hein? C'est dur, hosti. Je vais peut-être y aller avec la résistance au corps à corps. Là, j'ai cette armure-là que je prends et tout à date, que j'aime bien. Ah, elle a l'air cool, celle-là. Il y a peut-être, il y a celle-là et tout, que j'aime bien, ces bottes-là, que je vais sûrement garder pendant un petit bout. Ça coûte pas rien, de toute façon, là. Dégâts, ces animaux, je vais me le mettre. Ce capuchon-là, d'après moi, le garder assez... Oh, 107! Merci d'être venu. 107, mais je sais même pas quoi qu'il ressemble, si. Si je le fais graver, si il est là, que le tabarnak, ça me tente pas de l'avoir, là. Je sais même pas quoi qu'il ressemble. Ok. C'est quoi celle-là ici? Ah, elle est dans la crise. Elle est dans Nasty. Celle-là est dans la crise pour elle, man. Elle est vraiment nice. Je vais aller la faire graver et tout. Je t'écoute. C'est vraiment très important, surtout avec le niveau de difficulté que j'ai. C'est très important de prendre le temps d'améliorer nos armures. Comme ça. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Mes brassards. Ah, il est là. Résistance ou. Dégâts d'assassin. On va essayer dégâts d'assassin. M'aider. Je peux pas en rajouter un autre. Dégâts de feu, yeah! C'est pas gros, mais j'essaie d'équilibrer un peu mes affaires. Je sais que j'utilise le feu, je suis corps à corps, assassinat. J'essaie de mixer un peu mes affaires, tu sais. Regarde, comme lui, je pourrais essayer de faire de quoi, tirer à la tête, ça serait pas pire. Puis même elle, en attendant, ça peut être utile. Ça n'a rien coûté. Ça coûte rien graver des affaires. Je sais pas pourquoi je le fais pas. C'est ça, il faut que je fasse. Merci de repasser. Ok, une bonne chose à faire. Là, je vais aller à mon navire. Là, je vais aller à mon navire. Puis, on va retourner à Focus. Et là, t'as un Christ armure là, man. La façon que je l'ai faite est vraiment cool. Ah ouais, tourne, esti. Oh wow, une belle grosse baleine.
Dans l'eau, il y a des débris. Ouvrez l'œil. Le danger. Puis il faudrait aussi que je pense beaucoup à améliorer mon navire parce que je vais faire beaucoup de combats navals. Ah, puis il y a une épave. Oh, je peux aller visiter des épaves, puis tout. Si, je sais pas pourquoi je n'y vais jamais. On va aller visiter l'épave, Sty. Ah. Aura-t-il des navires Sparte à quelque part? Ne le dis pas. Marchand, il n'y en a pas des Spartes. Sortez-moi ces rames! Réduisez la vitesse! Un conflit? Je suis en conflit avec qui? On va attendre ici! Je suis même pas en conflit, arrêtez ici. Waouh! J'aimerais ça me faire une belle photo. C'est juste parce que j'aimais pas la façon que j'étais placé. Faudrait que je me mette comme ça. Puis que je descende. Ouais. Bête dans même. Avec le roquet, man, elle est fucking belle. Wow. Holy shit! C'est quoi cette place-là? Merde, j'ai manqué d'oxygène. Faut que je retourne à la surface vite. Vite! Ça descend vite! Ah oui, ça! Ah, oh, j'ai été ben trop profond aussi. Mais j'ai découvert quelque chose pareil. Puis je l'ai pas fait l'épave, je l'ai pas encore découvert. J'ai juste trop perdu de temps. Ok. Il y a de quoi aller voir, je pense que je peux y retourner. Faut juste pas que je perde de temps. Ah, oh, c'est ça, ça me prend tout mon oxygène. Ben là, fuck off, esti, là. Quand je me donne des boosts de même, ça fait perdre mon oxygène, je savais pas. Chris, je suis mieux de prendre mon temps rendu là. Eh bah, fuck off, ça me tente plus d'aller visiter ça, ouais.
Mais j'ai eu goût encore de retourner faire de la guerre. Chris, les requins ils sont pas méchants, si, ils t'attaquent pas pantoute. Ils sont moins méchants, si, que les loups, pis les ours, pis les ours. Ok, je vais allumer ça, moi. Je vais pas allumer ça? Non. Pour moi, c'est pendant la nuit. Plus de vitesse! Oh, let's go. Oh, wow! Il n'y a pas de navire Sparte. Encore une fois. Rangez les adhérents. Armeur, à leur banc. Mais ça reste très beau, mon gars, c'est une photo de même avec une baleine juste à côté. Allez, on va s'approcher de ces débris. Ah, oh, voilà! Gros, on voit Zeus, t'sais! C'est ici de focus. Ah, gros, j'ai une autre quête. Ah oui, non, je pense que c'est la... Non, même pas. Je pensais que c'était la quête du bélier, mais non, ça l'est même pas. Man, on y va. Yes, sir, EV, man, let's go! Ah ouais! Il va crever là. Tu crèves, man! C'était facile de tuer. Ils sont pas tous morts. Oh, il reste le général. Ah, le tuer. Oh, wow, man! T'as vu le gros masque? Oh, wow, man! T'as vu le gros casse? Hey, salut chum! Wouf, il est pas si beau. Ah, ils sont toutes noires. Ouais, ouais, let's go. Augmentez la vitesse! Ah, oh, fuck, j'ai manqué ma photo. Ça a été tellement beau, là.
ça en focus, là? Ok, le port il est plus loin, c'est pour ça que je le voyais pas. Il est là. Commencez à ramer! Amarrez le navire! C'est clair, man, Chris, qu'est cool! Hâte de ça, je peux même pas lui reparler, par exemple, ça serait cool qu'on puisse y reparler. Fallait faire des contrats navals une manée. À m'en allant à Athènes, je vais en faire gros. Je vais pogner des contrats, puis je vais faire beaucoup de contrats navals. Bon, faut tout recommencer, brûler les ravitaillements, puis les générales, blablabla. Ok, là je viens d'arriver en focus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a une quête là. Oh cool, c'est moi qui les ai pris ces photos là. Personne ne prend des photos fucking hot. Il y en a que oui, c'est rare. Les Spartiates sont des crétins, ils ne respectent pas notre temple. Ah oui, je vais aller tuer les autres. Je vais aller là à mon chemin, puis après ça, je vais aller là. Puis lui, je peux le péter. Puis il faut que je pète toutes mes primes, c'est vrai. Je dois tuer toute ma prime avant de partir en guerre. Voyons, bon, excusez. Eh là, t'as un crise mon armure là même pour elle. C'est beau, man. Ça fait quasiment penser au décor de Fallout, à la map de Fallout ici. Fallout 76. West Virginia! Bon, enfin, t'es temps. Crie, j'ai ça quand le cheval il court pas pantoute, là. Ah, yes, tu bois. Bang! J'ai jamais vu autant d'oliviers. Ce serait des armes et des armures légendaires que je devrais continuer à upgrader. Parce que c'est les autres qui upgradent le plus quand que je les vole up. Tu as très mal ou un peu mal? Je ne... La douleur va partir? Ah, tu sais, il faut que tu lui fasses peur. Si tu rugis comme un lion, elle s'enfuira. Oh! Très bien. Maintenant, rentre chez toi. Tu dois être médecin. Oui. Je m'appelle Lycaon. Tu dois être Mystios. Tu viens te faire soigner? Hein? Oh shit! Non, non, man, moi je flirte pas avec les gars. Jouer un rôle au lieu de soigner. Moi, quand je suis blessé, je m'adresse à quelqu'un de sérieux. Les dieux et les remèdes qu'ils nous offrent sont sans effet si le patient n'a pas d'espoir. C'est le meilleur traitement que j'ai à offrir. Oui, c'est une méthode. Tu me parais en forme et capable de tout. À ce propos, mes patients ont besoin de mandragores. Il en pousse près d'un ruisseau, au sud-est. Pas des mandragores. Tu es trop occupé pour y aller? Trop appétissant, surtout. Une meute de loups vit près du ruisseau. N'aie crainte, je te paierai pour tes efforts. Tu sais parler aux Mystios, toi. Tu n'as besoin que de cette mandragore? Pour l'instant, oui. Rapporte-la-moi et je la préparerai pour mes patients. Ouais, pas de problème. Ensuite, nous verrons. Yes, sir. Je vais te rapporter ces herbes. Je vais les trouver au sud-est? Oui, près d'un ruisseau, au nord-est de Kira. Nord-est. Elles ne sont pas encore en fleurs,
mais les feuilles sont d'un gris vert caractéristique. Merci. On va aller voir si c'est dans notre chemin, le nord. Puis le nord-est, ça serait par là. Donc non, mais il faut que j'aille là pareil. Excuse-moi. Non, fait que je peux flirter avec lui si je veux. Fait que dans le fond, on peut flirter avec vraiment n'importe qui, tu sais, t'es pas obligé d'être un homme puis de flirter avec juste les filles, tu sais. Donne les personnages avec qui tu peux flirter, puis tu choisis avec qui tu veux flirter, c'est quand même cool, c'est le fun. Ça me souvient pas avoir venu ici. C'est sombre, j'aime ça, c'est cool. Cours plus vite, Chris. Bon, t'as la main. Bonjour Sparte, je vais me venger. Ah mais ils sont tout le temps morts, ils réapparaissent pas. Mieux vaut rester. Oh il est là! C'est pour ça que la quête avait pas achevé, man, parce qu'il est là, lui qui manquait, il s'avait enfui la dernière fois. Mais là j'ai fini. Ah! Ah ah! Ok, les mandragores. Ah, 2 sur 6. Je sais d'où c'est que je les prends. Là, j'ai eu... J'ai tué... Quand il s'appelle déjà? En tout cas, le premier gars, le serpent, j'ai eu sa tenue... Sa tenue qu'on voit là en bas à gauche, là. Puis là, j'ai tué l'autre. Ça m'a donné le truc. Ça, ici. Là, j'ai tué... J'ai tué l'autre. Fait que ça m'a donné cette tenue-là et tout, ici. Fait que cette tenue-là, fit. Fait qu'ils vont ensemble, dans le fond, cette tenue-là. Mais à date, moi, je trouve qu'il fait un meilleur... Il pilote dans même. Moi, je veux pas avoir un habit qui fit trop. Est-ce que je vais être unique? Est-ce que je vais mettre des pièces d'un peu n'importe qui? Puis là, j'ai encore oublié d'aller activer ma quête. Non, non. Chasser le sanglier une autre fois. Non, je peux pas y faire débarquer, je peux pas, hein, non. Mais pourquoi qu'il me montre où c'est qu'il faut que j'aille? Je veux pas, esti. Cré, je l'avais mis en mode exploration, pourquoi ça marche pas? Je ressens à essayer de me faire une belle petite photo, ouais. Bon, ma caméra est jamée, mon caméraman était jamais. Ah! Calice, il me fait scraper ma photo, si bois, Simonac. Avec la lune, mon gars, regarde. C'est beau là, c'est vraiment beau. C'est des souvenirs ça, je vais pas montrer ça à mes petits-enfants. Hey, tu me fais chier toi. Buzz. Tous les fois j'essaie de me tasser, ça marche pas. Je veux voir la lune. Peut-être que la lune ça est plus haute. Hein? Y'a belle ça. Bon, ok, c'est fait. Elle monte-tu dans les airs?
Ben oui, elle monte. Je peux juste attendre encore un petit peu, puis ça va être correct. Je vais pouvoir me refaire une autre photo plus belle. En attendant, je vais aller me pogner des bois. Ah, ils dorment, c'est pour ça. Est-ce que tu as besoin d'aide? Des disciples d'Arès laissent des offrandes en armure et pierres précieuses à leur sanctuaire. Et tu aimerais bien mettre la main dessus? Ces richesses sont destinées aux arts obscurs, Mystios. Ces lieux sont maléfiques. Les dieux nous en seront reconnaissants. Alors tu aimerais que j'élimine ces disciples d'Arès? Oui. Il ne doit rester personne. Ah si, juste parler à du monde de même, c'était même pas écrit que c'était une quête. Je vais t'aider. Tu ne manques pas de courage. Je reviendrai quand ce sera fait. Hein? Ben voyons, c'est bien cool. Elle est plus belle dans même. Elle est belle. Je prends toujours des photos, aussi. Tout le temps. Ok, good. Mais là, vu que j'en ai pris deux, même crise de place, elle est moins belle, m'a supprimé, oui. Je suis supposé en avoir une autre, elle est là. Elle est vraiment nice, cool. Deux autres sont là-bas. Oh, cool, un olivier. Si, reviens ici, crie, je t'appelle, puis il crie son camp. C'est petit tabarnak, moi, je change de cheval, t'as dit, moi. Oh, me sent mal d'avoir fait ça, man. Cet endroit sera en alerte. Oh, c'est bon, il y en a beaucoup. Mais en Christ, on joue ça des spéciales, c'est bon. Chris, je t'attaque, Esti, t'es pas supposé. C'est quoi son genre résistant? Tu que ça? Il arrête pas de m'attaquer. Ah, regarde, lui je l'attaque, regarde, lui il fait des l'autre il en faisait pas, je l'attaquais puis après il m'attaquait pareil, genre. Ça faisait pas de recul. Whatever, c'est pas grave. Je suis plus fort que quand même. Là c'est l'argent maintenant. Et voilà. Peut-être parce qu'elle était plus forte, aucune idée, c'est ça le général, c'était quoi, non, c'était... Whatever. Arc. Moi, ouais, la photo elle a l'air été cool si ça aurait pas été du gars qui est pas bien faite là. Il était pas en HD, lui. Il n'y a pas un autre coffre, non, il n'y a rien, rien d'autre. Ah. Es-tu un soldat Sparte? T'es qui, toi? Ok. I'd like a nom. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, genre là, ça allait marcher une monture, pour vrai.
Je sais pas quand je vais en pogner une, par exemple. Oh, un voie de levier. Tu es de retour? Tu les as tués? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Une paye bien méritée, mercenaire. Prends ça en remerciement. Merci. Merci. Non. T'es sérieux? Amagaris encore! Aller chercher ma paye, Amagaris encore! Tabarnak! Ah, ils sont là! Ah, fait chier ça! Oh! Bois d'olivier! Bang! Fuck, je n'ai manqué un. Tente pas de me revenir en arrière. Oh! Comment je pourrais le mettre? Comme ça? Ou... comme ça? Ah, ouais, damn. Tout le monde va dire, gros, ce gars-là, il joue jamais au jeu, il faut juste prendre des photos, esti. Ah, cool, j'aime ça, ces quêtes-là. Hello? Un mercenaire te serait utile, étrangère? Porteur d'aigle. Tu as du cran de te montrer par ici après avoir tué le loup de Sparte. Les mercenaires... Tu es sûr de ne pas te tromper de personne? Inutile de me mentir, Mystios. Je connais la vérité et je t'admire. C'est pour ça que je suis là. Ah, ok, cool. Donne-moi des détails. Grâce à toi, les Spartiates sont plus vulnérables que jamais. Yeah. Tu as rétabli l'équilibre des forces. Maintenant que le loup est mort, nous avons l'occasion de frapper. Je crois savoir. Tu veux que je fasse franchir le Styx à tous les Spartiates? Oui, c'est ça. Ah oui. J'en suis. Parfait. Et tâche de faire vite. Je reviendrai quand ce sera fait. C'est cool, avoir tué le loup, ça m'a donné, Ça m'a donné, une autre quête. Mais là, faut que je trouve les mandragores. Au nord-est. Hey, cours plus vite, man, tabarnak. Picaon a dit que je trouverais ses herbes près de la maison. Allô? Hey, wow, tu lâches mon cheval. Hey, tabarnak! Hop, il y en a un de moins. Hey, wow, on se calme. Oh, 41 pots. Hey, ils ont... Hey, Zeus t'a fait revivre, man. Zeus, il a, en plus de me faire revivre, ce sont les herbes qui m'a demandé. Il fait même revivre mon cheval.
J'ai ramassé assez de mandragore. Il est temps de retourner voir ce médecin. Ouais, ben ouais, faut que j'aille faire ma quête de spartiate. Pourquoi la stick ma manette avait tout le temps? Il faut que j'aille me racheter une nouvelle, tabarnak. Ah, le ciel, il est tellement beau, man. Tabarnak. Elle est plus belle. On voit un petit peu plus. Bon, tu es les soldats Sparte. Ils sont tous là, ils dorment tous. Je peux même pas le tuer. Ça fait déjà 40 minutes que je game, ça n'a pas d'allure. Ah Chris, moi qui voulais esti faire la guerre, je pourrais pas, man, c'est ben trop... Oublie ça, esti. Ben trop long. Ah ça c'est l'est, Chris. Comment ça qu'ils ont tout attendu ça? Toute la gang. Il y en a juste trois. Pas si pire. Je peux y péter, esti. Net, rapide et efficace. On va voir depuis longtemps pour ça. Pourquoi ne meurs-tu pas? Maintenant, mon argent. Bon. C'est là qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pas bien cool pour elle. 59, 65, 56, 56, 58. Observation plus haut.
Ah, t'as 200 mètres, fuck off. Ah, le ravitaillement, crise de con, faut pas l'oublier ça. Avant de passer le site, faut que je gagne une autre guerre. J'ai pas le choix. Tu es de retour. Tu les as tués? Je me suis occupé de ces problèmes. Jusqu'au dernier. Tu as mis en œuvre de grandes choses. Prends ceci en remerciement. Merci. Une journée comme les autres. J'ai pas besoin de personne dans mon équipage encore. Oh, je me fais de l'argent. Excuse. Tiens, j'ai trouvé tes herbes. Merci. Je vais les préparer pour mes patients. Pourrais-tu attendre un moment? D'accord. J'ai écrasé ces herbes, elles seront plus faciles à prendre. Pourrais-tu les apporter à mes patients? Dis-leur que c'est Lycaon qui t'envoie. Il me semblait avoir apporté plus d'herbes que ça. J'en ai gardé une double dose pour ma grand-mère. Je la lui donnerai bientôt. D'accord. Bon, je vais aller porter le reste. Merci. Tous mes patients sont à la Cora de Delphes, ou à proximité. L'un sera aux enclos de bétail, à l'ouest. Un autre bâtit une maison à la bordure nord-est. Et la dernière travaille au champ, au sud. Reviens dès que tu auras terminé. Ne t'en fais pas, je vais les trouver. Ok, good. Que puis-je te proposer? Ah, écoute, dur à dire, là. 299, mon épée faisait combien de dégâts? S'il te faut autre chose, dis-le-moi. 300 que c'est vrai. Ah, il me faut plus d'affaires que ça. Puis après ça, je vais pouvoir accueillir un nouveau lieutenant. J'ai fait encore, là, c'ti. Pour moi, c'est des quêtes navales qu'il faut que je fasse. Puis là, je vais pouvoir en libérer. Lycaon t'a préparé ce remède. Merci. Tu vois, je prends soin de ces bêtes. Et Lycaon prend soin de moi. Dommage qu'il n'ait personne pour veiller sur lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Ses parents sont morts très jeunes. Sa grand-mère l'a élevée, mais ensuite, elle n'est pas née sous une bonne étoile, disons. Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Ça, je n'en doute pas. Ok. Lycaon te salue. Oh, c'est le remède qu'il m'a promis. Merci. Dis-moi. Eh bien, il est. Était-il? Il ne m'a pas paru malade. Il se promène en marmonnant à toute heure du jour et de la nuit. Il a l'air inquiet. Je devrais lui apporter des douceurs. Ça lui ferait du bien. Hein? Je suis certain qu'il en serait ravi. Ouais, je sais pas, mais la quête est avec lui, esti, là. On dirait que tout le monde est gay, tabarnak. Y'a rien contre ça, mais je sais pas, me semble que c'est l'ambiance, là, tu sais. Il dit, ah, je devrais lui apporter des douceurs. L'autre, il est là. Ah, c'est dommage que personne n'est là pour prendre soin de lui. En vrai, tu sais, parce que je suis. Parce que t'as la possibilité, dans le fond, de flirter avec. Fait que là, on dirait qu'ils mettent un peu l'ambiance, là. Mais moi, ça m'intéresse tellement pas, là. Lycaon t'offre ses herbes. Oh, merci. Ce médecin est si attentionné.
est si beau. Dommage qu'il ait choisi de ne pas se marier. Pourquoi ça? Oh, il prétend qu'il ne veut pas imposer ses tracas à une femme innocente. Je préférerais qu'il m'avoue franchement que je ne suis pas son genre. Ah. Je me demande pourquoi il dit ça. Parce que il est gay. Pas mal, hein? Mais quand tu joues Cassandra, par exemple, il est pas gay. Okay. Mais là, vu que c'est moi qui joue, puis je suis un homme, ben, il est gay. Ça donne qu'il est gay dans le jeu. Dans ma partie à moi. J'ai porté le remède à tout le monde. Apparemment, beaucoup de gens s'inquiètent pour toi. Merci. Je dois apporter le reste du remède à ma grand-mère, Praxitea. Tu veux bien m'accompagner jusqu'à chez elle? Je crois que j'aurai besoin de ton aide. On va venir avec lui, si ça fait une quête, là. J'aimerais savoir ce qui se passe là-bas. Merci. Viens, la maison de ma grand-mère est par là. Merci de m'accompagner. Tu as tué beaucoup de gens. Pourquoi tu me demandes ça? Si quelqu'un fait preuve d'impiété au point de nuire aux gens autant qu'aux dieux, tu penses qu'il mérite d'être... Oups. Je l'ai accepté ma quête, mais bon. On va aller voir les brassards qu'il m'a donné. Ouais, on s'y passe pas ce jeu. Non, sacrement! Je suis vraiment 65 ou 63. Il était-tu bien belle? T'es pas belle, t'es. Je l'ai démonté. Praxitea a fait quelque chose? De fausses prophéties. Pendant des années, elle a menti à ceux qui venaient la voir. Car ta grand-mère était... oracle? Oui, sur la montagne, Adèle. Elle m'a avoué récemment n'avoir jamais entendu le vieux. Elle avait seulement répété ce qu'on l'avait chargé de dire. Ah, bah oui. Des gens mal intentionnés. Forcément. Oui, tout à fait. Ses paroles ont déclenché des guerres. Elle ne peut rester impunie. Ma famille à moi a été déchirée par une fausse prophétie. Si c'était l'une des siennes, je m'occuperai de cette affaire. Waouh, c'est beau, man. Check-moi le ciel. Va-t'en, Lucaron. Je sais ce que tu comptes faire. Tu ne feras qu'ajouter à la honte de notre famille. Je n'en ai pas envie, Agave. Mais au nom de la justice, Praxitea doit mourir. Ça ne relève plus de nous. Des hommes étranges sont venus au village aujourd'hui à sa recherche. Je les ai conduits ici et ils l'ont emmené. Ça me paraît curieux comme justice. Tu ne peux pas comprendre. C'était une vieille folle impie. Désormais, nous n'avons plus à nous en inquiéter. Et qui es-tu d'abord ? Alexios, j'ai été victime d'une fausse prophétie. C'était peut-être l'une de celles de votre grand-mère. Si on ne la retrouve pas, on ne pourra plus rien faire. Aide-moi à découvrir où on l'a emmenée. Je chercherai les indices. Que voulais-tu que je fasse? Tu as parlé de la tuer. Une solution s'est présentée, alors Praxitea a dû perdre ce bracelet en se battant. Mais un voleur ordinaire n'aurait pas laissé sur place un objet aussi précieux. Quel bracelet? Ah, qui est là? Il s'est passé quelque chose d'étrange par ici? Calice. Ah, tu tombes bien. Oui, quelque chose de très étrange. Des brigands dans la ferme de ma cousine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont chassée de chez elle. Elle ne peut plus rentrer. Ils ont installé un campement et ils sont armés et dangereux. Intéressant, ça. Où est-ce qu'elle habite? Pas très loin, à l'ouest. Mais si j'étais toi, je me méfierais de ces brigands. Merci, ma Jésus. Merci du conseil. Merci, Jésus. Y'a rien là. Ouais, on sait. Oh. Ça ressemble à un contrat. Apportez le paquet à l'endroit convenu et sans l'abîmer. S'il s'agit de la grand-mère de Lycaon, elle devrait être en vie. Praxitea a été enlevée et conduite dans une ferme à l'ouest. Les bandits ont reçu l'ordre de l'amener vivante. Merci d'avoir enquêté pour moi, Alexios.
Je ne suis pas stupide, Lycaon. Ta sœur a mis Praxitea en grand danger, et tu m'as demandé si j'avais déjà tué quelqu'un. Tu veux que je mette fin à ses jours? Non. Il faut que ce soit moi. Je dois la tuer. Ok. Tu n'es pas un tueur. Moi, si. Si elle est réellement coupable de tous ces méfaits, tu devrais me laisser m'en occuper. C'est ma responsabilité, je ne veux pas qu'elle souffre. C'est pour ça que je t'ai demandé de la mandragore. Ça étouffe la douleur. Mais pour l'instant, tu veux bien aller à la ferme t'occuper de ces bandits? Je pense qu'ils sont trop nombreux pour moi. Oui... Bon, allons chercher Praxitea. Merci, Alexios. Tu dis que la ferme se trouve à l'ouest, je te retrouve là-bas. Bon, à l'ouest. Par là-bas. Oh yeah! Niveau 15. Oh, il est cool là même. Bof, pas tant. Le devant il est cool, mais pas le derrière. Bon, 239. 239, 152. Ah cool, j'ai libéré un autre... Cool, une lance, est-ce que c'est? Mais plus là, t'as une lance. Ok. Très sacré d'Apollon. À l'ouest. C'est ça, c'est par là-bas. Ce doit être la ferme où Traxitea est prisonnière. Il tombe tout. C'est pas une situation. Je dois me montrer plus prudent par ici. Tu m'as sauvé. Merci. C'est qui collait celui des... Ça... Attends, de là... Faut faire le tour, eux autres, je pense pas qu'ils m'entendent, là, ils dorment. Je me souviens. Si mon enfant, nous devons partir maintenant. D'autres brigands pourraient venir, mais... Je t'en prie, partons d'ici. S'il n'y a rien vu. Je pense que c'est à l'abri, là. Merci de m'avoir sauvé, mon enfant. Ne me remercie pas, voix d'Apollon. Mais peut-être répétais-tu les mots de quelqu'un d'autre? Ah, tu as rencontré mon petit-fils. C'est vrai, j'ai menti à tous, et je le regrette.
Les dieux auraient déjà dû me tuer, mais ils ont préféré m'étouffer de remords. Pourquoi avoir enlevé des fausses prophéties? Qui t'a fait enlever? Ces brutes-là n'en ont pas eu l'idée tout seul. Ne me demande pas ça. Ceux qui veulent aujourd'hui me punir et qui me soufflaient autrefois ce que je devais dire, ils t'enterreraient vivant si je te parlais d'eux. Ceux qui portent des masques et de sombres capes? Le culte de Cosmos? Ne prononce pas ce nom. Pourquoi avoir menti de la sorte? Les gens te faisaient confiance. Tu étais censé délivrer les paroles d'Apollon. Je ne le voulais pas. Pas quand j'ai été choisi pour être l'oracle d'Apollon. Mais là-bas, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que je devais répéter leurs paroles. Sinon, ma famille aurait à en souffrir. Ta famille? Est-ce que tu te rappelles avoir dit à une famille de Spartiates que son plus jeune enfant devait mourir? D'avoir brisé le cœur d'une mère éplorée? Qui avait mes yeux? Je pleure avec toi tout ce que tu as perdu. Grand-mère. Elle t'a parlé? C'est bien elle qui a apporté le malheur à ta famille? Je regrette ce que j'ai fait. J'accepte mon châtiment. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon petit-fils me tuer. Lycaon est un homme bon, un guérisseur, ça le briserait. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi de la tuer. J'ai tué assez de gens pour savoir que la violence ne mène à rien. Mieux vaut aller de l'avant et vivre le mieux possible la vie que nous accordent les dieux. Aller de l'avant? Mais Praxitéa a fait tant de mal à ta famille. Elle ne peut plus en faire. La tuer par vengeance ne changera rien au passé. Et n'est-ce pas toi qui parlais des bienfaits de l'espoir? Merci de ta clémence. C'est sage. Je te promets de faire le bien pendant le temps qu'il me reste. Tu as raison, Alexios. Je ne pourrais peut-être pas pardonner à ma grand-mère. Pas tout de suite. Mais elle peut poursuivre sa vie, et moi la mienne. C'est la bonne décision, Lycaon, crois-moi. Comment t'y prends-tu pour décider qui doit vivre ou qui doit mourir? Et toi, comment fais-tu, Lycaon? Toutes ces vies qui dépendent de toi, de tes soins et de ta bonté. Je crois que j'ai besoin de toi, Alexios. Pas pour tuer, ni pour trouver quelque chose, mais... reste avec moi. Non. Je ne suis pas médecin, mais je sais que tu as enduré beaucoup, Lycaon. Tu n'as pas besoin d'un Mystios dans ta vie. Rentre chez toi et mène ta vie de guérisseur. Non. Hostie. Il a essayé de me pogner le tabarnak. Ah, il est laid. Il est cool, mais c'est la face qui est laid. Bon. Alright. Bon, on va cesser là-dessus, man. Fait que sur ça, yes, man. On se retrouve au prochain épisode. Puis gros, je vais continuer à faire mes petites quêtes pis tout, là. Faire les petites quêtes, level up, prendre de l'XP. Puis là et tout, en plus, j'ai même appris que je pouvais avoir des quêtes sans que ça soit écrit sur ma map ou whatever. Fait que c'est vraiment très intéressant. Puis, yes, man. Puis la prochaine fois, je vais essayer d'aller faire la guerre contre les Spartiates ici. Puis aller à Athènes, continuer l'histoire principale. De toute façon, on n'est pas princé. Fait que sur ça, yes, sir. Ciao.